Cette poudre peut être dangereuse pour votre bébé. Le talc. La poudre de talc est très utilisée par certaines femmes durant la toilette de leur bébé. Cependant, de nombreuses personnes ignorent qu'elle peut être dangereuse pour le bébé. Alors, les bienfaits de la poudre de talc, ses propriétés absorbantes lui confèrent un aspect préventif de l'érythème fessier. Elle forme une barrière de protection et isole l'épiderme de l'humidité. C'est pourquoi elle est couramment utilisée au moment de changer les couches. Elle prévient l'apparition des boutons de chaleur sur le bébé. La poudre de talc ralentit l'irritation de la peau du bébé. Elle réduit le frottement textile qui existe entre la peau du bébé et la couche. Comment utiliser la peau de talc? Vous pouvez appliquer le talc pour bébé au niveau des fesses, des aisselles et du torse. Une fois la toile du bébé terminée, séchez les fesses soigneusement en tapotant doucement la peau à l'aide d'une serviette. Poudrez la peau des fesses en recouvrant bien les zones sujettes au frottement. Vous pouvez aussi appliquer le talc au niveau des aisselles et sur le torse. Alors, quels sont les dangers? Le talc bébé est déconseillé à cause de ses multiples effets négatifs pour le bébé. Voici quelques effets, quelques-uns des effets qui ont été révélés par une étude canadienne. L'inhalation de particules fines de talc peut causer des lésions pulmonaires. L'exposition des parties génitales du bébé et des femmes à la poudre de talc ou des produits contenant le talc est un facteur favorisant le cancer de l'ovaire. Alors, la poudre de talc pour bébé est-elle bonne ou mauvaise? Tout dépend de la manière d'utilisation, la manière d'utilisation, d'application. Il y a des précautions à prendre lorsque, si vous tenez tant à mettre la poudre de talc sur votre bébé, il y a des précautions que vous devez prendre. Il faut éviter d'inhaler les poudres au niveau de talc. Évitez que bébé en inhale, en respire, en aspire. N'exposez pas les organes génitaux féminins du bébé aux produits contenant du talc. Il ne faut pas appliquer le talc sur l'organe génital du bébé. Il faut tenir la poudre pour bébé loin du visage des enfants afin d'éviter l'inhalation. Vérifier l'étiquette des produits pour savoir s'ils contiennent du talc et choisir la solution de rechange sans talc si l'utilisation de celui-ci vous préoccupe. La poudre de talc n'est pas le seul élément qui devrait retenir votre attention. Voilà, il existe de nombreux autres produits dangereux pour votre bébé.